Petit frère, ne joue jamais. Il y a 4 ans, Siri a trompé sa femme avec José. Lui, il cherche quoi ici là? La banane m'a lancé. Comment? De toutes les façons, vous êtes les mêmes gens. Hein? Donc, Francis Vemba, assois-toi là. Et puis écoute ton frère. Il a même mes enfants, il était vraiment mal. Ok. Siri était un mauvais joueur. Pas avec le ballon, hein. Surtout avec le cœur d'ego. Conséquence. C'est trop dur. Trop dur parce que. Il a osé, devant le monde entier, m'appeler la mère de ses enfants. Ah bon? Et ce n'est pas fini? Il m'a renié en tant que sa femme. C'est pas gentil. Le cadeau au bord des soucis. Me fous. En tout cas, femme ou mère des enfants, serait déjà demandé pardon à Dieu. On est mort. Je n'ai jamais vu ça. Aline, je te demande pardon. Ce n'est pas suffisant. Aidons-le à prier au présent pour son péché passé. Au secours, Seigneur. Et pendant ce temps, José, âgé de 18 ans, disait... Je ne me prostitue pas, j'ai reçu une bonne éducation. Vraiment. Moi-même là, allez, excusez-moi de me déshabiller devant quelqu'un qui ne me connaît pas. Franchement, c'est pas compliqué. Affirme ta gueule. Merde. Digne fille Baoulé parlant en parabole, Daichi se sentit concerné. Ne regarde pas la parabole là, moi je suis concerné. Pour rappel, dans un snap de José qui a fuité, où Seredi est venu dire que c'est moi, je mange ça. Et à Daichi de dire, tu m'as pas dit que ouais, tu n'es plus avec ton gars, tout. Seredi, lui, là, c'est un footballeur, tu t'appelles pourquoi? Ouais, non, vraiment, si tu tiens à moi, moi j'ai besoin d'une voiture, faut m'acheter une Range Rover. Oh, t'attends jamais. Ne joue jamais, on appelle ça les jeux liquides. Et tu lui avais bien dit, c'est pas petit mouvement de nom, 3 semaines on s'est vu, on a commencé à s'amouracher un peu. Genre, il y a qu'à payer Range Rover pour toi. Ah, championne. Sauf qu'entre temps, quand la pile finit, on ne jette pas, mais on la mâche en attendant l'argent pour acheter une autre. José a fait fort. Donc, il a refusé de payer la Range Rover. C'est un mouvement, Bouah, c'est déjà venu à ce dégoût-là. Sa tête ne. Je peux pas. Oui, ça a buzzé à l'époque, hein. Et aujourd'hui, regardez-moi le. Arrête de foutre les gens. Non, mais plus sérieusement. Les Ivoiriens disent qu'apparemment, José est encore parti porter la deuxième grossesse. De qui? De Seredi. Vous aurez préféré donc qu'elle fasse un à Seredi et puis qu'elle fasse l'autre à Gervinho et puis qu'elle fasse encore un autre à Kalounio et qu'elle fasse un autre à Bakikone et puis qu'elle fasse un autre encore à Kolo Touré. Ou bien, c'est quoi votre problème? Donc, il ne connaît pas le problème. Il ne sait pas. La question c'est... Seredi, si cette femme va faire un enfant avec quelqu'un d'autre, bien tu reviens, tu vas sauter. Tu as peut-être raison, mais le vieux, c'est un accident. Un accident qui se fait toujours au même endroit par deux fois. On peut pas accepter ça. N'oublie pas que tout trou est trou et on peut tomber dedans même avec la nuque. Un accident où on fait les ah, oui chérie, ça va. Ce n'est plus un accident. Après, c'est normal qu'il y ait des accidents, hein. Parce que de toute façon, José, pour qu'il est là, hein, il y a que tu tapes ça quand tu es pour le travail, tu rentres même le soir, c'est toujours en train de bouger. Maman, si tu as porté un bon caleçon, regarde, tu as porté string, tu vas fermer le tout, là. Voilà. Maintenant, tu as porté bâche. Non, tu as porté caleçon d'abord. Tu as bien fermé tout. Maintenant, tu as porté bâche. Ça, c'est pour couvrir même. Et puis, maintenant, tu as porté kiwa. Voilà, kiwa, là, tu attaches la fort comme ça. Mais avant de mettre kiwa, là, tu mets kodio. Kodio là, là, tu tires bien comme ça. Et puis tu mets Kiwa, et puis là tu mets ton jean dessus. Quand elle va venir, il va te couvrir. Quand son petit va taper là, elle va couper, elle va retourner. Ça lui fait mal. Tu vas voir, il va plus venir. Ah mais, Siri, dis quelque chose pour te défendre, non? Va se regarder. Non. Tu m'attends pour parler, quoi. Ne parle même pas. Voilà ta femme qui veut partir là-bas. Tu connais ce moment venir menacer les caméramans camerounais. Ils vous ont dit qu'ils sont toujours ensemble? Oui. Maman, dis-nous alors. Quand je marchais en route, les femmes me faisaient bisous. Tchaï! Non. Le père, pardon, calme-toi, s'il te plaît. Maman Gaya, tu nous manques. Père ton âme. Aujourd'hui, nous sommes là dans les Buzz Ivoire. Voilà José qui a accouché l'enfant. On ne sait même pas si José a vraiment accouché. Attends, et si c'est le cas? Maintenant, si José a accouché, il n'y a rien qui nous dit que cet enfant est désiré. C'est l'enfant de Seredi Aka. Quand tu vois les mandibules là, et puis tu regardes celle de l'enfant,
n'y a pas concordance. Si l'enfant est de Serédier, il n'y a rien qui nous dit que Serédier a toujours sa femme ou bien Serédier a laissé sa femme par rapport à un autre problème et qu'il s'est rapproché de José. Tu es sûr de toi? José, elle est tranquillement chez elle. Je n'ai pas vu de photo de José dehors qu'elle a couché. Par contre, là, c'est vrai, les amis. On n'a pas vu de photo. Donc, ça veut dire qu'on est bête. C'est vous qui empêchez le Cameroun de se développer. En tout cas, on s'en fout. Voilà, le développement, ça va venir en 2035. Pour l'instant, là, le plus important, c'est de liker, partager, surtout abonnez-vous. Moi, je vous aime et on se retrouve la prochaine fois. À la même heure et sur les mêmes longueurs d'onde habituelles. Ciao. La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Quelqu'un ici partagé, à droite ici vous mettez partagé, voici la liste des groupes, je veux que chaque personne partage au moins dans 10 groupes.